mon métier consiste à être éducateur sur le bord de bassin avec les scolaires, mais également travailler en club sur des adultes ou de l'entraînement chez les petits. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des classes de CE1, CE2 vers un apprentissage de la découverte de la natation. Première chose à faire quand on arrive à la piscine, se changer. Je suis revenue prête, maintenant je vais préparer mes séances. Information, moi je suis nageuse de haut niveau, j'ai été nageuse de haut niveau pendant très longtemps et après j'ai voulu passer mon brevet d'éducateur sportif des activités de la natation pour pouvoir transmettre ma passion. Donc moi j'ai fait mon brevet d'état sous forme à l'IFAN, en fait dans un institut qui est à Choisy-le-Roi maintenant, qui anciennement était à Paris, en 2 ans en contrat d'apprentissage avec le club de Nogent-sur-Marne. Bah, je vais préparer le matériel pour accueillir les enfants qui ne vont pas tarder à arriver d'ailleurs. Dans mon métier, il y a 2 phases importantes, tout ce qui est encadrement et l'éducateur, mais également le secourisme, car sans secourisme, on ne pourrait pas vous laisser aller dans une piscine. C'est pour ça qu'on a des révisions tous les 5 ans pour réviser les nouvelles techniques qui arrivent, ainsi que tous les nouveaux textes pédagogiques qui peuvent arriver sur le marché. Je descends en courant sur le tapis, je saute dans l'eau. Une fois arrivé dans l'eau, je mets la fuite. J'adore mon métier, je suis vraiment passionnée, mais il y a des côtés du métier qui sont beaucoup moins attractifs que d'autres. Donc la surveillance, par exemple, c'est un peu barbant, regarder un bassin et faire attention aux gens, mais c'est énormément d'attention, énormément de travail, contrairement à ce qu'on peut bien croire. Et moi, ce que je préfère, c'est vraiment l'enseignement de la natation, aussi bien en scolaire qu'au niveau du club. Après avoir été maître nageur sauveteur, tu peux devenir chef de bassin, donc gérer une équipe qui est directement liée au bassin, ou bien être directeur de piscine, ou encore être directeur des sports au niveau de la vie.